Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon ami Michael Lebeau. C'est notre deuxième journée, donc on va continuer à parler de la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est vraiment notre désir pour vous que vous puissiez complètement abandonner votre vie, renoncer à votre vie pour l'aimer. Et aujourd'hui avec toi Michael, on va parler justement de cet amour qui nous pousse à faire de Jésus notre Seigneur, ou encore on pourrait dire plus précisément à se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et pour commencer l'émission, j'ai un beau témoignage d'une sœur qui a été guérie. Elle dit « J'ai reçu le Seigneur en 2015, j'ai été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, mais très vite mes prières étaient devenues monotones. Je cherchais quelqu'un pour prier avec moi le matin et je suis tombé sur Prière Inspirée. Lors de la deuxième session avec Audrey Mac, j'ai été rempli du Saint-Esprit et quelque chose en moi est sorti. J'ai été libéré deux fois de suite. Elle dit ensuite, j'ai eu très mal au niveau de l'abdomen. Quand j'étais accroupi en prière à genoux, je ne pouvais plus me lever. Et lors d'une deuxième session avec Dena Moana, j'étais allongé dans mon lit. Le Saint-Esprit a rempli tout mon corps et je me suis dit, je suis guéri. Une semaine après, j'ai été complètement guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu qui m'a guéri du cancer de mon sein. » Alors vraiment, gloire à Jésus-Christ pour cette guérison, ce miracle de cette personne, cette sœur qui a été guérie du cancer du sein. Et nous voulons aussi proclamer la guérison, la puissance de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes malade, si vous avez le cancer du sein, que maintenant vos seins soient purifiés, assainis par la puissance de Jésus. Sa main pure vous touche maintenant et vous guérit complètement. Et si vous avez cette maladie, recevez maintenant par la foi simplement cette guérison au nom de Jésus. Parfois, on peut encourager les gens à toucher leur écran comme un acte de foi, comme une action, un acte qu'on pose en se disant « Maintenant même, je reçois cette guérison ». Et vous pouvez le faire et recevoir cette guérison parce que le Seigneur vous aime. Et avant de te laisser la parole, Michael, j'avais un texte sur le cœur par rapport à ce passage, ce message que tu vas nous partager aujourd'hui. C'est un extrait de la vie de Pierre. Il est écrit après qu'ils eurent mangé, ça se trouve dans Jean chapitre 21. Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et après, Jésus va lui partager le fait que quand il était plus jeune, il allait où il voulait, mais que lorsqu'il sera vieux, c'est quelqu'un qui l'attachera et qui le mènera dans un endroit où il ne voudra pas aller. Et hier, avec toi, Michael, on a parlé de Jésus Seigneur, Jésus Kyrios, Jésus le Maître. On a dit que Jésus n'était pas seulement venu pour nous sauver, mais pour être le Maître, pour diriger complètement notre vie. Et que beaucoup de chrétiens, en fait, beaucoup de gens prient, vont à l'église, etc. Mais ils ont simplement cru en Jésus Sauveur, mais ils ne se sont pas soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et en fait, on voit à travers leur vie que c'est une réalité. Jésus n'est pas leur Seigneur, mais ils sont encore le Maître de leur propre vie. On le voit par leurs actions, par leurs pensées, par leur vie, par leurs choix. Jésus n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Maître. Il n'est pas, comme tu le disais, le Kyrios de cette époque où romaine, entre autres, où il y avait des royaumes, il y avait des rois, il y avait des seigneurs qui étaient là et qui gouvernaient, qui dominaient et qui avaient des esclaves. Et les esclaves étaient vraiment, ils avaient le Kyrios au-dessus d'eux. C'était leur maître et eux, ils étaient juste des esclaves. Et donc, tu nous as rappelé cette vérité importante, que Jésus soit notre maître, notre Kyrios. Amen, Jérémie. Je crois qu'aujourd'hui, tout chrétien devrait dire comme Paul l'a dit. Il avait cette révélation de son identité. Il n'existait plus. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à mon Seigneur. Et il écrivait ses lettres en disant, entre autres, Paul et Timothée, le mot grec c'est doulos, esclave du Seigneur Jésus. Il commençait comme ça, rappelant à tout le monde qui nous sommes en tant que chrétiens. Notre vie ne nous appartient plus, mais elle appartient à celui à qui on a donné notre vie, à qui on a fait allégeance, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
Mais je réalise que beaucoup de chrétiens, et parfois nous-mêmes, hein, pour être transparents dans nos vies, c'est pas toujours facile d'obéir à la parole de Dieu. On sait que c'est bon, on sait que c'est agréable, on sait que c'est ce que Dieu veut, mais là, parfois, on peut avoir du mal. Et plusieurs luttent avec cette parole et ont une vie, comme on dit parfois, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Ils savent ce que Dieu veut, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et la réalité, c'est que le problème, en fait, c'est qu'il y a quelque part un amour qui s'est refroidi. Parce que si on se souvient de nos premiers pas avec le Seigneur, notre conversion, on a été touché par le Seigneur et on lui a donné notre vie, on a fait de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et les jours qui ont suivi, tout était facile. On était prêt à tout pour lui. On était prêt à parcourir le monde pour parler de Jésus et témoigner de Jésus. On était prêt à tous les sacrifices possibles parce qu'en fait, on lui avait vraiment donné notre vie, notre foi était profonde parce qu'en fait, notre amour était profond. Et à la base de tout, ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse de lui notre Seigneur, on se soumette à sa parole, on se soumette à sa volonté, avec comme seule motivation l'amour. Dieu n'est pas intéressé par la peur, ni par les intérêts. Les religieux de l'époque, les pharisiens, les juifs, n'avaient pas cette révélation de l'amour de Dieu. Donc, ils essayaient ils faisaient de Dieu leur Adonai, leur Seigneur, par peur du jugement. Si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Ou si tu fais ça, voilà la bénédiction que tu auras. Mais ce n'est pas du tout le cœur du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on abandonne notre vie, qu'on se donne entièrement à lui par amour. Et Jésus dit, pour rappeler le verset qu'on a lu dans Luc au chapitre 6, verset 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Là, le Seigneur nous interpelle, il dit « Il y a un non-sens. » Vous dites que je suis votre Seigneur qui vous sauve, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Suis-je réellement votre Seigneur? Et il va donner dans Jean chapitre 14, 23 la clé qui fait qu'on pourra faire de Jésus chaque jour de notre vie notre Seigneur. Il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Autrement dit, si quelqu'un m'aime, je serai son Seigneur, quoi que je lui dise, il le fera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et c'est important de comprendre que c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur qui nous pousse à tout lui donner et rien d'autre qui doit être vraiment la source de notre motivation. La loi de l'amour, elle dit notre amour pour notre Seigneur et notre Sauveur vient de la révélation de son amour pour nous. L'amour répond à l'amour. Autrement dit, si on aime le Seigneur Jésus, ce sera facile pour nous d'obéir à sa parole et de nous soumettre à sa Seigneurie. Si notre amour pour lui fait défaut, on aura du mal. Mais pour qu'on l'aime, il faut qu'on réalise son amour pour nous. Si on réalise la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de son amour, les choses vont couler naturellement. Et on va tout lui donner. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, 19. Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Cantique des Cantiques 1, verset 4 dit « C'est avec raison que l'on t'aime ». Romains 5, 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent. Vous avez peut-être du mal à obéir à la parole du Seigneur, à ce que votre foi en Jésus Seigneur soit authentique. Mais quelque part, est-ce que réellement vous avez réalisé ou vous souvenez ou vous rappelez l'amour que Jésus a pour vous? C'est là la clé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Moi, j'essayais de plaire à Dieu avant ma conversion. J'essayais de lui être agréable, j'essayais de faire tout un tas de choses qui... Voilà, je vais obéir. Je n'arrivais pas. C'est vrai que je n'avais pas encore le Saint-Esprit, etc. Mais ce qui s'est passé de particulier, c'est que j'étais en Bretagne, dans cette réunion des hommes d'affaires du plein évangile. J'étais au dernier banc, dernier rang. Et là, pendant que le prédicateur prêchait, j'ai eu une vision de Jésus.
mes genoux sont trop choqués, j'avais le cœur qui palpitait. Et le Seigneur Jésus, j'ai vu son visage, j'ai vu son amour en vision dans mon cœur et il m'a dit, Michael, je t'aime. Et Jésus s'est révélé d'abord comme le Sauveur. Et quand j'ai réalisé pour la première fois de ma vie, réellement, que j'étais un pécheur, que j'étais coupable, que je méritais la mort, que je méritais d'aller en enfer, que je méritais d'être jugé et puni parce que j'avais fait ce qui était mal, parce que je menais ma vie dans le désordre, mais que là, ce jour-là, j'ai vu ce visage de Jésus, j'ai vu son sang couler à la croix, j'ai réalisé qu'il est l'innocent qui a donné sa vie à ma place. Je méritais d'être cloué sur cette croix et de mourir, je méritais d'être puni, mais il m'a tellement aimé qu'il a pris ma place. Et ça, c'est extraordinaire. Ce jour-là, j'ai réalisé la profondeur, la grandeur de son amour. Dieu, venu sur cette terre, mourir pour moi à ma place, donner sa vie à ma place, prendre la punition que je méritais à ma place, ça m'a profondément touché. Et là, j'ai entendu Jésus me dire, « Michael, je t'aime. » J'avais le cœur qui allait exploser de son amour. Et après avoir été touché par son amour comme ça, il va me donner un ordre. Pas une suggestion, un ordre. Il va me dire, comme il le fait souvent dans les évangiles, c'est le Seigneur, abandonne tout, lâche tout et suis-moi. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais en une fraction de seconde, j'ai vu toutes les choses que je tenais depuis tout petit. Ces choses que je voulais faire, qui étaient à moi. Personne n'avait le droit d'y toucher. Personne ne pouvait empêcher là où je voulais aller. C'était ma vie, ma volonté. Je faisais ce que je voulais. J'étais le Seigneur de ma vie. Et voilà que ce Jésus, qui est Dieu, se révèle à moi dans cette petite réunion en Bretagne et il me dit, abandonne tout, lâche tout. J'étais tiraillé, Jérémie, à l'intérieur. Il y avait une lutte, personne ne voyait, mais la lutte était tellement intense que je tremblais. Le Seigneur m'a demandé quelque chose. Vais-je obéir ou vais-je désobéir? Et là, j'avais le choix qui allait me faire entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que j'allais renoncer aux choses qui me sont les plus précieuses pour faire de Jésus mon Seigneur, celui qui dirige ma vie, dirige mes pas maintenant, ou n'allais-je pas le faire? J'ai eu une lutte, et ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai été touché par son amour. Je ne l'ai pas fait parce qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant et qu'il va me terrasser et m'écraser et un jour j'irai en enfer. Non, c'est parce qu'il m'a touché, parce qu'il a fait à la croix pour moi. Et là, on rejoint ce que Jean dit. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il m'a touché. Son amour m'a touché. Et là, j'ai tout abandonné pour lui. Là, j'ai renoncé à ma vie. Et on voit dans les évangiles, il y a tellement de choses. Il y a la femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus. Et Jésus va dire à son sujet, elle va pleurer au pied de Jésus, elle va verser ses larmes, elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux, elle va verser du parfum sur sa tête, et Jésus va dire, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Si chaque jour de notre vie, en prenant la Sainte Cène, on prenait le temps de contempler la croix de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, se souvenir chaque jour, faire vivre ce sacrifice dans notre vie, comme si c'était hier qu'on l'avait vécu. Notre amour pour lui va grandir et ce sera facile pour nous d'obéir à sa parole parce qu'on l'aime et on l'aime parce qu'il nous aime. Et je me souviens aussi de Zachée, tu sais ce Zachée, il était quoi lui? Percepteur d'un... clé. Bon, je ne sais plus le nom là. Voilà, les Juifs ne l'aimaient pas. Zachée collectait les impôts. Zachée était un homme qui avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Les Juifs ne l'aimaient pas parce qu'il était un peu considéré comme un traître. Il collectait les impôts pour les Romains. En plus, il volait, il était dur, etc. Et Zachée était petit de taille, mais il était intrigué par Jésus. Il avait vu en Jésus la lumière que lui n'avait pas. Il avait vu en Jésus la sainteté qu'il n'avait pas. Il avait vu en Jésus que c'était Dieu, le créateur de toutes choses venu sur cette terre. Et tout le monde fuyait Zachée dans le peuple juif. Mais Zachée monte sur un arbre pour voir Jésus. Personne ne sait qu'il est là peut-être, mais Jésus passe. Et il est Dieu et il sait que Zachée est là. Il regarde Zachée.
Son regard se pose sur Zachée. Tout le monde fuit Zachée. Tout le monde traite de Zachée, de gros pêcheur, de traite ou je ne sais quoi. Mais Jésus, lui, s'arrête pour regarder Zachée. Il lui dit, Zachée, descends de ton arbre. Parce que je viens manger, je vais loger chez toi. Et là, Zachée est touché par la considération que Jésus-Christ, le maître de l'univers, le Seigneur de gloire, son Dieu, pose ses regards sur lui. Et là, Zachée descend, il va chez lui, il prépare la table, il prépare le repas. Et Jésus vient et il dit à Jésus, « Seigneur Jésus, si j'ai volé des choses, je vais les restituer au quadruple et je vais donner la moitié de mes biens. » Et là, Jésus va dire, « Le salut est entré dans sa maison. » Et on voit que Zachée a été touché par l'amour de Jésus et que la considération, la bonté que Jésus a eue pour lui, la manifestation de l'amour que Jésus a eue pour lui, il a pris le temps de s'arrêter pour lui. Zachée a été touché. Et Zachée a obéi à l'enseignement qui était à Jésus naturellement parce qu'il a été touché par son amour. Et j'aimerais finir en disant dans Apocalypse chapitre 2 verset 4 ce passage de Jésus. Parce que, en tant que chrétien, on commence souvent bien par la foi. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je te donne tout. Mais avec le temps, on reprend notre vie. Avec le temps, on commence à reprendre les rênes de notre vie et on commence à faire ce qu'on veut et on discute avec la parole de Jésus. Il nous dit quelque chose, oh, ouais, bon, c'est un verset de plus. Non, c'est pas un verset de plus. C'est ce que notre Seigneur nous demande de faire. On n'a pas à discuter, on a à la recevoir. Et là, ça montre un refroidissement de notre amour. Jésus va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné à l'église d'Éphèse ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et là, c'est formidable. Jésus va dire, mais ton problème, le problème que tu as avec ma parole, pour pratiquer les premières œuvres que ma parole te demande de faire, c'est parce qu'au fond, ton amour n'est plus comme au début. Tu as oublié ton premier amour. Et ce que Jésus va lui dire à cette église, c'est « Souviens-toi ». Ça paraît tout bête. Mais est-ce que chaque jour, on se souvient d'où on vient? Est-ce que chaque jour, on se souvient que si Jésus ne nous avait pas tant aimés, qu'il n'était pas venu sur cette croix, on n'aurait ni la paix, ni la joie, ni le Saint-Esprit. On irait en enfer pour l'éternité. On serait privé de cette paix. C'est horrible. Mais Jésus dit, souviens-toi. On doit se souvenir de d'où on est venu. On doit se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. On doit se souvenir de son grand amour. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et cet amour va naturellement nous pousser à nous repentir. Si on désobéissait à sa parole, si on avait du mal à se soumettre à Jésus Seigneur dans notre vie, bah, tout à coup, parce que son amour revit en nous, nous en retour, on l'aime naturellement. Et on se repent, on change de voie et on pratique à nouveau ses œuvres. Donc j'aimerais simplement encourager aujourd'hui, rappeler que ce qui va nous permettre d'obéir au commandement du Seigneur Jésus, c'est son amour, comme il l'a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est l'évangile. C'est l'évangile et c'est puissant et on veut effectivement vous encourager à l'aimer passionnément. C'est le plus grand de tous les commandements. Aimez Dieu. Aimez Dieu. On veut le dire à MCI TV. Aimez Dieu. Aimez le Seigneur. Faites de lui le premier. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, avec toutes tes forces, avec tout ce que tu es, avec toute ta pensée. C'est son commandement, son désir pour nous, mais c'est vrai, il nous a aimé le premier. Et aujourd'hui, on veut, dans ce temps de prière, se rappeler, se souvenir de son amour, se souvenir de la croix, se souvenir de notre premier amour aussi pour lui. On veut se souvenir de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour, merci. Parce que tu n'as pas fait les choses à moitié. Tu n'es pas venu chez nous comme un voleur en passant rapidement pendant qu'on dormait. Non, tu t'es manifesté à nous. Tu t'es révélé à nous. Tu es venu avec une telle clarté, une telle lumière, que devant ta lumière, devant la révélation, comme celle que Michael a partagée, c'était si clair, c'était si évident. On n'a pas pu faire autre chose que de te dire oui, que de se soumettre,
parce que tu es bon, devant ton amour. Seigneur, on a dit oui. C'est toi, Jésus. C'est le même Jésus, toi, Amen. Seigneur, qui est venu parler à Pierre. Je lui ai dit, est-ce que tu m'aimes? Alors prends soin de mes brebis. Ça va être dur, ça va être difficile, mais si tu m'aimes, tu y arriveras. Seigneur, par amour, on veut se souvenir aujourd'hui, oui, de ce premier amour que nous avions pour toi et de cet amour qui est encore aujourd'hui grâce à toi. Cet amour qu'on te porte, tu es notre bien-aimé, tu es notre amour, notre Dieu. Tu es l'époux parfait, précieux. Tu es l'amoureux de notre cœur. Oui, on a bien des raisons de t'aimer. Jésus-Christ, tu es si saint, si pur, si bon, si parfait, si juste. Tu es véritable. Il n'y a pas de mensonge en toi. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Il n'y a pas de méchanceté en toi. Il n'y a pas d'iniquité en toi. Il n'y a rien de mauvais en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu as reçu les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que tu as été rendu parfait. Tu as été parfait. Tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Parce que tu nous as aimés. Alléluia, quand tu as dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », tu étais non seulement en train de le dire pour ceux qui t'ont amené sur cette croix, mais pour nous-mêmes, parce que nous ne savions pas, parce que nous étions pécheurs perdus, parce que nous étions remplis de péchés, de ténèbres, et nous dirigeons chacun notre propre vie, Seigneur, comme des gens qui sont maîtres, les maîtres. Tu es venu nous chercher, et on veut te dire merci. Et je veux prier vraiment, Père, pour toutes les personnes qui écoutent, afin que leur amour pour toi soit plus fort, que leur amour pour toi soit plus grand, que leur amour pour toi soit plus profond, qu'aujourd'hui ils puissent aussi recevoir un baptême dans ton amour qui les changera complètement. Viens saisir cette personne, viens la remplir de ton amour maintenant, que ce soit des rivières, des fleuves d'eau vive qui viennent sur elle, et qui la bouleverse complètement. Oui, je prie pour ceux qui ont eu de l'eau, Seigneur, jusqu'aux chevilles, viens les amener plus loin, plus grand, Seigneur, dans cette révélation, plus profond dans cette révélation. Nous t'aimons, Jésus. Tu es si bon, si doux, tu es humble de cœur. Tu es merveilleux. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Je pense à ce verset, Seigneur, où le prophète Jérémie te vit de loin. Je vis de loin l'Éternel et il me dit, je t'aime. Alléluia. D'un amour éternel. Tu es bon. Oui, Seigneur, je prie que ton peuple aujourd'hui puisse expérimenter la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur, toute la dimension de cet amour que tu as eu pour nous. Cet amour que tu as pour chacun d'entre nous, cet amour qui t'a poussé à quitter ta gloire, cet amour qui t'a poussé à t'humilier, cet amour qui t'a poussé à venir sur cette terre et à te soumettre à la volonté du Père en mourant sur cette croix. C'est avec raison que nous t'aimons. Alléluia. Saint-Esprit, oui, comme Jérémie l'a prié, je prie que tu illumines les yeux des cœurs pour qu'aujourd'hui les yeux s'ouvrent sur cette révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour chacun d'entre nous à la croix de Golgotha en livrant son Fils bien-aimé, en livrant ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Merci pour un si grand amour, Père. Merci, Jésus, pour une si grande soumission et un si grand amour d'avoir accepté d'aller sur cette croix et de souffrir. Ton sang a coulé pour les innocents que nous sommes. Ton sang a coulé. Ta vie a été livrée. Tu es allé dans le séjour des morts. Tu es allé à notre place. Tu as souffert. Ton dos a été meurtri, labouré comme un champ. Ton visage a été, la barbe a été arrachée. Tu as été frappé, tu as été fouetté, tu as été cloué, tu as été humilié. Tu as exposé ta nudité à la honte face à cette foule nombreuse alors que tu es Dieu. Alors que le souffle de ta bouche aurait pu terrasser tous les hommes. Mais tu t'es souvenu de nous. Tu es venu nous chercher. Et nous voulons, Seigneur, nous souvenir d'où nous sommes tombés. Jésus-Christ. Oui, nous étions des pécheurs. Jésus-Christ. Oui, nous méritions de mourir. Mais tu nous as tellement aimés que tu es venu te révéler à nous. Tu es saint, tu es saint. Merci, Seigneur, pour ce grand jour. Que mon frère, ma sœur puissent aujourd'hui se souvenir de ce grand jour. Que
son amour pour toi puisse être renouvelé aujourd'hui. Que sa passion pour toi puisse être renouvelée aujourd'hui. Qu'il se passe quelque chose dans le cœur, que ce qu'il ne ressentait plus, que cette sécheresse spirituelle, cet élan d'amour qui avait disparu, ce premier amour qui s'était refroidi, cette passion pour toi, pour ton royaume, pour ta personne, pour se retrouver dans ta présence, revienne à nouveau. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement. Si nous existons, c'est pour toi. Un jour, nos yeux te verront et nous serons face à toi. Il ne restera ni le voisin, ni le frère, ni la sœur, ni l'oncle, ni la tante, ni le conjoint, ni les enfants. Mais nous serons seuls face à toi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons renouveler notre amour pour toi. Cet amour qui nous pousse à abandonner notre vie. Cet amour qui nous pousse à nous abandonner à toi. Cet amour qui nous pousse dans le lieu secret. Cet amour qui nous pousse à lire la parole. Cet amour qui nous pousse à témoigner de toi. Cet amour qui nous pousse à nous soumettre entièrement à ta volonté. Que cela soit notre partage par la puissance de ton esprit aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais parler à un musulman maintenant et vous dire que Mahomet n'a rien fait pour vous. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Et vous pouvez, là où vous vous trouvez, il y a quelqu'un qui est dans une chambre d'hôpital, je ne sais pas si c'est vous qui êtes musulman, dans une chambre d'hôtel. Et en ce moment même, Jésus veut se révéler à vous. Et là où vous vous trouvez, le Seigneur veut vous toucher, vous remplir de son amour. Ce sera une révélation. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est lui dire, Jésus, oui, je suis d'accord de te donner ma vie, mon cœur, toute ma destinée, mon futur, mon présent. Je te le donne. Alléluia. Faites-le. Il y a aussi des hommes, des gens religieux, même des chrétiens, entre guillemets. Mais vous suivez des prophètes, vous suivez des hommes, vous suivez des saints, vous suivez des gens qui sont morts. Vous suivez Marie ou je ne sais quel saint ou sainte. Et c'est une idole dans votre vie. Mais ils n'ont rien fait pour votre salut. Ce n'est pas eux qui sont morts sur cette croix. Ils ne pourront en aucun cas jamais remplacer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit d'abandonner cette idole, d'abandonner cette adoration envers cette personne, envers cet homme mort ou vivant, et de faire de Jésus-Christ le Seigneur, de vous soumettre à lui complètement, pleinement. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Suivez cette émission demain. Ce sera important, des choses importantes vont vous être apportées. Amen.